Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve sur notre Let's Play Immortal Phoenix Rising. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Écoutez, on se retrouve pour ce 35e épisode. On devait continuer un tout petit peu le secondaire, on continue en fait jusqu'à arriver au point principal. On va dire ça comme ça. Pour l'instant, on continue. Ça c'est trop fort en fait. Hop. En entrant dans la clairière, Phoenix fut accablé par un sentiment de perte. De perte et de conflit. Qu'est-ce qu'elle a encore? Il suffit de rallumer les feux. Ils sont les symboles de la guerre de Troie. Et les feux de vie éteinte sur le champ de bataille. Oh, moi j'ai voulu rester neutre pendant cette guerre. Aucune bille dans aucun camp. Jusqu'à ce qu'Hera mette cette ceinture magique. C'est elle qui m'a poussé à être du côté des Troyens. Ah oui d'accord, le feu il est là. Pour allumer. La petite harpe. Donc du coup c'est côté plastron. Donc les deux premiers déjà. Donc ceux-là. Ensuite celui du milieu, celui qui suit en bas et c'est bon normalement. Là. Nickel. Ah. Ok. Et là, ça s'est ouvert aussi. Hein. On va aller voir. Tac, ça je récupère. Ça aussi. Eh ben dis donc, on en a ouvert des coffres. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hop. Le petit coffre, regardez, on va aller se le faire, on va aller les démonter comme il se doit. Hop. Allez. Permettez de mourir. Allez. S'il te plaît. Et les deux derniers. Enfer, nouveau visuel. Oh, elle est classe aussi celle-ci. Hein. Hop. Next point. 309. Ah oui. Le petit puzzle. Et après, on va aller voir Ares. Enfin, on va aller voir l'essence d'Ares. Comment est-ce qu'on peut la récupérer? Déjà. Moi, je suis vraiment précoce. Hein, j'arrête pas de le dire. Je pense en que ça va pas être tout de suite son essence. Hein. Ça me paraît trop tôt. Oh, attends, il n'y a pas d'atmosphère. Ok. Oh là, il y en a un. Encore. Le puzzle.
Défi principal réussi. Et ben voilà. Je sais bien qu'il y avait un défi à faire. Hein. Éclat d'amant rouge. Triomphe d'ours, 2 sur 10. Ah ouais. Et attends, et dans les défis principaux. Ouais, après c'est les succès en fait. Décorer le pic du roi. Commencer une nouvelle partie. Rassembler tous les dieux. Apprivoiser 10 montures. Ah ouais. Ouvrez 200 coffres. Améliorer 20 fois la santé ou l'énergie. Collecter 60 apparences d'armes différentes. 30 sur 100. On avait seulement moitié. Oh mon dieu. Collecter 75 apparences. Ah ouais. D'armure. 100 000 éclats d'adamant. Acheter 40 compétences. Atteignez la capacité d'énergie maximale, atteignez la capacité de santé maximale, menez à bien l'épreuve d'Hermès, améliorez une compétence, améliorez tout votre traitement, trouvez tous les éclats. Bon après je pense qu'il y a des choses, ça doit être lié. Ouais je me permets de faire le truc alors qu'il y avait des ennemis à côté. Hop. Ah d'accord. Donc là c'est bon normalement. Pas. Mince. Quel abruti je suis. Hop, ça les assomme tous, nickel. Moi je gêne. Et le dernier. Tu devrais te souvenir de cette scène. C'est Diomède. Tu parles d'un phénomène celui-là. Blessé des dieux pendant la guerre de Troie. Du jamais vu. Pas de simple dieu, mais Arès. Alors, je reviens parce que j'ai pas tout compris apparemment sur ce baby. Première fois, parce que je l'ai fait mais apparemment non. Un autre à faire ou si je me plante. J'ai du mal à tout comprendre. Alors attends. Je vais faire un manou. Je pense que ça ira plus vite, plus rapidement. Ouais, c'est ça. Tu fais la manou, c'est beaucoup plus rapide. Et ça te permet de finir ce petit problème. Je n'ai pas jugé. Hop. Ah, effectivement, le problème c'est que là, du coup, lui il faut qu'il dégage. Au fond. Attends, c'est quel morceau ça? Ah oui, donc lui je vais aller tout au bout. Tac. Ah ouais, mais là je vais me retrouver inversé. Oh zut. Comment que je fais cette histoire?
Oh là, je me suis embrouillé moi. Je réfléchis. Est-ce que lui il doit passer de l'autre côté en bas? Ah, mais en fait le problème c'est que du coup en fait on peut plus séparer les deux, ils sont collés. C'est relou ça. Ouais je suis perdu là. Attends. Si je fais comme ça. Ah attends, je crois que j'ai trouvé. Là. Ça lui il passe devant, lui il passe là. Je crois que je me suis un peu embrouillé mais c'est pas grave, ça le fait. Incroyable, pièce de 40, elles sont à moi. 20. Grâce à Athéna, Diomède eut l'occasion idéale de blesser Arès au combat. Je n'oublierai jamais ses cris de douleur à Arès. On l'avait blessé au ventre et j'aime autant dire qu'il faisait pas dans le discret. Toute la région a été au courant. Ok. Ah bah ouais. Ah ouais, donc du coup ça serait vraiment son essence là, direct. Wow, si on récupère déjà son essence, je suis choqué hein. Ok. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais c'est déjà son essence. Mais plus ça va, plus c'était rapide. Hein, ça. J'obtiendrai vengeance. Ok. Cube d'orical flottant. Activer et désactiver l'état flottant des cubes orical en les attaquant avec une flèche ou une arme. Ok, nouvelle mécanique. Ah ouais. Ça va être le bordel. Oh, je peux les amener vers moi. Oh, j'adore. C'est tout mignon, tout mignon. Hop. Ah c'est sympa. Je trouve ça stylé l'état flottant là. Ok. D'accord. Sûrement le boss final finalement. Je me demande ce que retient sa chaîne. Tout au fond. Un monstre. Phénix trouva une statue retenue par des chaînes. Une statue qui ressemblait fortement à Kratos, les Katoshi. Faut dire qu'une centaine de bras, c'est ce qu'on appelle un bon indice. Alors là, c'est fermé pour l'instant. Cet endroit ressemble à Arès, en désordre, dangereux et d'un très mauvais goût. Qu'est-ce qui t'agace autant chez Arès, exactement? J'espérais mieux de lui. Il se lance dans la guerre tête baissée, tellement brouillon que ses adorateurs en deviennent fous.
En plus, il ne sort jamais les poubelles, même quand Hera lui demande 3 fois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je me suis habitué à force. Il est peut-être coupable de toutes ces choses, c'est vrai. Ou peut-être cherche-t-il à impressionner son père. Il veut que tu le prennes au sérieux. Non, non, il pense qu'à sa pomme. A jamais imaginé le foutoir qu'il laisse derrière lui. Bah, comme un gamin, tu aurais jamais grandi. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de flatterie. La forme la plus sincère de flatterie, c'est d'enlever quelqu'un pour passer du temps avec lui. Si tu en doutes, demande à Ganymède. Ok, je pense avoir compris un peu près comment est-ce qu'il faut que je fasse. Ça va être long, hein. Ah, mais là, je fais comment, du coup? Puis je me barre. Ah, quoique, je suis haut, là. Ah, ça passe. Ok. Let's go. C'est parti, c'est parti. Mince. Lui, je balance en haut. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Là, mais tu passes. Voilà. Aucun problème là. Ok. Ah, c'est marrant cette mécanique en régime. J'aime beaucoup. Ok. Là, il n'y a pas un coffre. J'ai cru voir un coffre, je ne sais plus. Et là... Ah, mais oui, mais attends. Ok, je me suis brisé une cheville, mais ça va. Je réfléchis. Là, il y a un truc là. Faire croire le contraire. Je ne sais pas. Ça me paraît étrange, j'ai quand même une sorte d'escalier. Il n'y a pas un coffre ici. Si. Ça, c'est un coffre. Je reconnaîtrai un coffre entre mille. Je peux te dire bien qu'il y avait une loupiote, mais en fait dès que tu t'approches, tu la vois plus trop en fait. Ok. Mais là je vais trop haut. Enfin, trop bas. Là, il faudrait que... Méchant.
Oula, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et allez. Et allez. Allez, vas-y. Meurs, j'ai compris. Tu aimes ça. Vas-y, au moins une fois. Et pas trop. Parce que si tu reprends précis à nouveau, tu vas mourir tout le temps en boucle et ça va devenir roulou. Vas-y, je t'ose au moins une fois. C'est vrai que depuis le début, je ne suis pas mort. Très bien. Oui. Oui. Et on fait la toupie. Ah. Pas si ouf que ça, quoi. Oula. Reviens voir un tout petit peu là. Oula. J'arrive pas à les caler correctement. J'arrive à grimper un tout petit peu, mais pas assez. Ouais. Si j'arrive à aller dessus. Voilà. Mais là, je vais pas être assez haut encore. Là, je vais pas être assez haut encore. Quoi? Oh la folle, la folle. Qu'est-ce qu'elle t'a tenté toi? Voilà. Quelques minutes de concentration, puis ça le fait. Tac. Allez, ouvre-moi ça. Bah, faut bien un petit moment pour comprendre, mais j'ai commencé à voir un peu la mécanique du truc. Et là, tu tapes un. Ah non. Ah bah non. J'allais dire, tu tapes un sprint. Sauf qu'en fait, ils ont besoin. Un bloc. Hop. Mince. Oh, j'ai eu trop peur. Voilà, entre les deux. Pas qu'il aille trop loin, trop vite le coco. Et ben voilà. Oh, ça c'est, ça c'est. Après avoir échappé, une chaîne en moins. Bon, c'est long, mais ça c'est, je trouve. Pour l'instant en tout cas. On va aller voir le suivant. Il y a combien encore? 3 fers. Oh la vache. Et après il y a le boss. Et après on récupère sur mon essence. Mais c'est oufissime. Ça aurait été carrément été rapide là pour celui-ci. On a vraiment perdu par contre en puissance. Tu vois, genre Aphrodite c'était archi long. Ensuite l'autre dont j'avais même souvenir le nom. Dieu de la guerre, la déesse de la guerre plutôt. Non, déesse de la sagesse. Qu'est-ce que j'aurais comme. C'était un peu plus long. Mais sans plus. Et Phaistos, bah c'était juste la forge à allumer. Mais je. Ouais, c'était pour le coup assez rapide. Encore.
je vois pas à quoi ça sert en fait, tout ça là. J'aurais presque pu rush. Hop. Et on le récupère. Ah. Pas encore. Parce que les autres m'ont détecté apparemment. Quoi? Bah, t'as osé me briller. Hop. Allez. Il est dégagé. Ah, c'est bon. Allez, le petit dernier. Ah non, après il y en a plein d'autres, excusez-moi. Ah non, il a cassé. Salaud. Hop, on continue. Ah, finalement, je voulais éviter, mais en fait, on n'avait pas le choix si on voulait le faire. Allez, ça dégage. Et ben voilà. Bon. Mais en vrai, on n'a pas besoin d'activer tous les points en fait, parce qu'ils ont mis plein de machins partout pour qu'on puisse avoir des petits cubes pour pouvoir reprendre un petit peu notre route en l'air. Mais bon, finalement, je crois qu'avec un jump assez haut, ça passe. Hop. Allez. Question du nombre oisif, c'est pas dégueu ça. Est-ce que ça, ça passe ça? Attends, de côté. En fait, je ne sais pas où est le point exactement. En haut, j'ai l'impression. Parce que regarde, tu fais ça comme ça. Voilà, en fait. Hein. Après, oui, c'est sûr que si tu l'as pas, du coup. Oh, il y a un cas. Ah non, c'est un autre point. Oula. Du coup ça c'est bon, on a récupéré le coffre. On détruit la chaîne. Il ne peut contenir ma fureur. Ok. So good. Ok. Ouais. C'est ça, avec le vent, il va pouvoir faire plein de choses. Emmène-moi. Envole-moi. Oh, c'est agréable. Ah zut. Ah zut, je peux pas le pousser celui-ci.
Mais... Ah oui, non mais il a un problème celui-ci, hein. Désobéissant. Ceci est assez embêtant. Ok. Hop. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi, j'ai tapé dessus. Pourquoi j'ai tapé dessus? Je suis trop stupide. Ouais, en fait là il faut vraiment jouer avec l'air, c'est pas facile parce que du coup il y a des hauts, des bas. Là, je fais juste n'importe quoi, qu'est-ce que c'est pour que je te paie. Hop. Ah oui, t'es embêté là. Ok. Et là, tu vas venir te poser là. Magnifique. Mais alors? Ah non, il y a un cube là-bas à prendre. Fuck. Voilà, si on peut le rechoper à un moment donné. J'aime beaucoup. Est-ce que ça passera jamais de là? Faut que je prenne plus de hauteur. Ta putain de flèche là. Voilà, c'est pour ça que je dispelle l'arc parce que ça sert à rien. Ça marche pas. Et là, le truc qui est là-haut. Ah, d'accord, super, je peux pas me poser là. Et c'est embêtant. La fureur et la rage des dieux exigent d'être libérés. Et ben voilà, finalement aucun problème. Foudre de Zeus. Ah bah voilà, on va pouvoir augmenter notre rendu. Nickel. On gère la fougère. Bon, petit donjon. Petit donjon, non. Un gros donjon, assez long. Mécanique sympathique et mécanique qui s'apprend assez vite, qui se fait assez vite. C'est pas le bon ça. Je suis parti au mauvais endroit. Ok. Ok, le dernier.
attaque. Où est-ce que je dois aller, toi? Je suis trop stupide. Genre, moi, je vois un trou, je me dis, bah, c'est bon, je saute. Mais non, mais t'as un cube dans les mains. Tu peux pas sauter avec un cube de 16 stones sur tes mains, quoi. Ah là 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 là. Pas facile, des fois, la vie. Hein. Allez. C'est pas grave. Cela fait quoi? Ah oui, d'accord. Ok, on est en train de mélanger deux choses en même temps là. À savoir que ce cube... doit aller... Attends. Ok. Ça y est, ça se fait. Parfait. Donc là, je suppose qu'il faut colmater aussi. Faudrait que... lui, il soit en face pour venir l'en empêcher de se barrer. Pendant ce temps, lui, il fait son petit bonhomme de chemin, il va là, il se cale là. Donc normalement, les deux, si on les gère bien, ça passe. J'ai dit ça passe. C'est déjà fini. J'ai pas récupéré le coffre là. Il est où le coffre? Il est en dessous. La guerre ordonne son règne. Il est ici. Oh, ça aurait été hyper rapide en vrai. Hein. C'était le donjon pour un seul plus simple. Et le moins long. Aucune idée de comment est-ce que je remonte. À coup de lance. Bon. Je ne resterai pas enfermé à jamais, Typhon. Une fois les chaînes brisées, la statue monstrueuse sembla prononcer son nom. Ah bah voilà, il se passe quelque chose. J'ai pas de potion. Il me dit que je vais affronter un ennemi coriace. Coriace à quel point? À l'aide. J'ai pas de potion. Hein. Wow. Ah, mais ils sont gros. Kotos, l'omniscient. Wow. Ça va. Ça va. Si je continue comme ça, pour activer mon oiseau.
ça le fait, en vrai. Faut juste pas que je lâche avec l'oiseau, quoi. Et que je puisse continuer à enchaîner avec... Ouais, franchement, mon oiseau. Eh, l'oiseau, c'est tellement la meilleure chose. J'adore ça. Et voilà, il a voulu me dire, ouais, tout, une mi-curiasse, machin, machin. Est-ce que vous êtes bien préparé? Mais. Toi, une curiasse, je te bouffe, hein. Pas compris. Ouais, il y a deux trucs qui sont bloqués, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai tout récupéré? De toute façon, j'ai bien un coffre dans chaque coin, donc je pense que c'est bon. Ok. Mais ça allait beaucoup trop vite, hein. Hey. Ah. C'est pas encore fini. J'ai eu très peur. Vraiment, là, pendant 5 minutes, j'étais en mode... Ah non, quand même pas, on est quand même pas déjà fini. Non, il y a une petite fuite, quand même. Ils ont voulu, genre, changer le format. Et ça, c'est cool, tu vois. Éviter d'avoir toujours la même chose, de devoir aller... sauver X, Y raison, puis ensuite aller récupérer son essence dans un donjon. Non, là d'abord tu commences par le donjon et ensuite tu règles le problème. Et bah parfait. Franchement, un petit donjon un peu long mais mécanique. Très sympa. Dommage que j'ai pas vu ça avant. Parce que franchement, les lasers, qu'est-ce que j'en ai marre. Hé, tu m'entends? J'ai été envoyé par Ares pour reprendre son essence. Par les dieux. Qui était ce voleur? J'espère qu'un assurant se trouvera. Si les Hirons n'avaient pas été pétés... Il faut retourner le voir. Mmh. Ah ouais, il y avait la lien. La lien, normalement, je me souviens pas. Je crois avoir à peu près en tête... la mélodie. Par contre, j'ai coupé la discussion pendant qu'elle parlait, c'est dommage. Échec. Échec. Alors attends, peut-être ça. Alors attendez, je vais vérifier vite fait. Eh bien écoutez, je suis heureux de vous annoncer que j'ai dit n'importe quoi juste avant. Parce que c'est ça, 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 ça. Oh la vache, complètement à côté de la plaque, moi. Bon. Ouais, c'est indécis à lire ici. Bon, on le fera plus tard. Il reste plein de petites choses à droite à gauche. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici. J'espère que vous appréciez cet épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner. Et puis, écoutez, moi, je vous dis ciao ciao.